Aujourd'hui, je vais vous parler de Lady Evelyn Cobbold. Vous la connaissez pas, mais c'est une femme extraordinaire qui a vécu il y a 145 ans, qui est née le 17 juillet 1867, et vous allez voir, elle peut encore nous en apprendre. Qui était écossais, donc Charles Adolphus Murray. J'ai un problème avec les noms. Son père écossais, c'était le 7e comte de Dumor. Et sa mère, Lady Gertrude, était la fille du 2e comte de Leicester. Donc on voit quand même une famille assez aristocrate, même très aristocrate et bourgeoise. Et le père, en fait, est atteint d'une ce qu'on appelle une fièvre des voyages et entraîne sa famille dans des voyages et notamment dans des contrées plus exotiques forcément que ce qu'on peut trouver en Écosse, et entraîne sa famille justement dans les pays d'Afrique du Nord, notamment l'Égypte, l'Algérie. Et c'est là où sa fille, sa petite, va être entourée de nannies, de nourrices qui sont d'origine, enfin qui sont égyptiennes, algériennes, etc. Et elle va être vite, très vite imprégnée de la culture musulmane, de la culture arabe. Et elle va d'ailleurs dire qu'elle s'est toujours sentie, puisqu'elle est née comme ça, elle a été entourée très très jeune, dès son plus jeune âge, elle s'est toujours sentie avec cette culture musulmane, arabo-musulmane. Cette jeune fille donc grandit, etc. Elle est dans le droit chemin. Elle rencontre son mari, et donc un aristocrate également bien sûr, et donc va se marier et avoir 3 enfants. Elle va suivre un petit peu le parcours, on va dire, qui était tracé pour elle, et vivre une vie assez domestique. Sauf que cette Lady Evelyn, c'est pas sa vie ça. Elle a été baignée dans des contrées exotiques, elle a vu, elle a appris des choses, et ça correspond plus du tout où elle est. Et elle va pas hésiter en fait à quitter sa zone de confort pour vivre son aventure, pour vivre sa vie en fait. Et le plus incroyable que je peux vous dire, et j'espère que ça va vous donner du cœur à faire les choses, parce qu'il n'est jamais trop tard. Certaines, je sais que vous m'envoyez des fois des messages en me disant « mais j'ai 40 ans, mais j'ai 30 ans, mais j'ai 50 ans, etc. etc. » Vous savez à quel âge cette lady a osé, il y a 145 ans, a osé divorcer et partir vivre son aventure en Afrique du Nord à 65 ans, à l'âge de 65 ans. C'est à l'âge de 65 ans, Lady Evelyn s'est transformée en Lady Zénab et est partie vivre sa vie, celle qu'elle avait envie, celle qu'elle sentait. Elle est partie vivre sa vie, traverser l'Arabie Saoudite et un petit peu remuer toutes ces conditions bourgeoises et quitter complètement sa zone de confort. Faut dire qu'à l'époque, c'était assez incroyable qu'une bourgeoise, qu'une aristocrate comme elle, ok, qui soit un petit peu intéressée par le bouddhisme ou par le protestantisme, mais qui se convertit à l'islam, qui affiche ouvertement son amour pour l'islam et son amour pour la culture arabe, ça c'était vraiment un choc. Donc quand elle a sorti son premier ouvrage, les gens, bien sûr, vous savez comment ça se passe, les gens l'ont critiqué. Est-ce qu'elle a hésité? Pas un seul moment. Quoi que vous fassiez, de toute façon, les gens vous critiqueront. Que vous fassiez quelque chose ou pas, vous aurez de la critique. Autant vivre votre vie. Et en tout cas, c'est ce qu'elle a fait. Donc son ouvrage qui s'appelle « Pèlerinage à la Mecque » a pris en forte un peu la forme d'un journal intime et a été accueilli par la presse britannique assez favorablement, mais en ayant quand même beaucoup de critiques. Mais le Manchester Guardian a par exemple écrit à l'époque que le livre a un attrait rare en soi, ce qui était vraiment une belle récompense pour cette femme. Elle a obtenu, elle a été carrément, et c'est ce qu'il faut, il faut avoir du culot, il faut faire les choses, il faut savoir qu'à l'époque, le pèlerinage était non pas réservé, mais il n'y avait aucun Européen qui avait, Européenne, qui s'était permis, entre parenthèses, de faire ce pèlerinage à la Mecque.
Et elle, ce qu'elle a fait, c'est pas ça qui l'a arrêtée à 65 ans. Elle a été carrément voir le roi Abdelaziz d'Arabie Saoudite et elle a demandé une permission spéciale pour effectuer le pèlerinage, chose qu'elle a obtenue et effectuée. Donc elle a été ainsi la première femme européenne à pouvoir faire et à faire le Hajj en Arabie Saoudite. Alors une question, pourquoi la contribution de cette femme extrêmement intelligente, extrêmement valeureuse, guerrière, intelligente par rapport à la compréhension qu'elle a eue de l'islam, sans parler de son voyage assez révolutionnaire, pourquoi est-ce que ça a presque disparu de vue en fait? Pourquoi peu ou pas de personnes en parlent? Et en fait, c'est comme, je pense, et c'est l'avis aussi de son petit-fils, que c'est pas forcément un exemple qu'on veut donner aux futures générations. Premièrement, ça parle d'une émancipation de la femme il y a 45 ans, alors que le féminisme est apparu il n'y a pas très longtemps en Europe. Donc ça casserait un petit peu ce mythe. Ensuite, ça voudrait dire que la femme en islam n'est pas si esclave que ça, puisqu'il y a de plus en plus de conversions, et que pire que ça, c'est même pas nouveau ces conversions. Et que ça touche tous les milieux, même des milieux bourgeois, parce que souvent on dit oui, mais elle s'est convertie à l'islam parce que bah la pauvre quoi, voilà, elle avait une condition sociale qui l'a fait que elle a été approchée par des musulmans, etc. Mais pas du tout. Beaucoup d'intellectuels femmes, alors là je parle pas des hommes, parce qu'il y en a aussi, mais beaucoup d'intellectuels femmes et de bourgeoises femmes se sont converties à l'islam, ils se convertissent encore. Donc ça prouve, et si on parlait beaucoup plus de cette femme-là, de Lady Zainab, de Lady Evelyn, si on en parlait beaucoup plus, si elle était mise beaucoup plus en avant, ça créerait certainement un remous et beaucoup plus de conversion. Elle a d'ailleurs écrit d'autres livres après son ouvrage. Elle a écrit 3 ouvrages en tout, qui sont tout autant passés assez inaperçus et qu'on peut encore trouver, qu'on peut dans certaines librairies. Lady Zainab a été enterrée conformément aux principes de l'islam sur une colline qui a été éloignée en Écosse, en fait, sur une petite colline. Elle a été donc enterrée là en 1963. Elle a été enterrée là en 1963 et pour seul témoin, en tout cas, enfin, pas seul témoin, mais en tout cas, la seule personne qui était là était un joueur de flûte. Et parce qu'elle avait demandé, bien sûr, à être enterrée selon les rythmes de l'islam. Donc voilà l'histoire de Lady Evelyn. Pourquoi je vous la raconte aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que je voudrais que vous, en tant que femme, vous compreniez l'importance que vous avez à jouer, l'exemple que vous avez à jouer, le rôle que vous avez à jouer, et que rien n'est jamais déterminé. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous souffrez d'une maladie, que vous êtes peut-être dans un mauvais mariage, ou que vous êtes passé par un divorce, que vous n'avez pas d'argent, rien n'est absolument joué. Il faut toujours vous battre. Pour exemple, cette femme, il y a 145 ans, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les trains, on ne prenait pas l'avion comme ça, etc. Eh bien, elle s'est quand même affichée, elle a quand même affiché ses valeurs, elle s'est quand même battue. Et elle a, surtout le plus important, c'est qu'elle a vécu la vie qu'elle voulait. Elle n'a pas hésité, alors je ne vous dis surtout pas de divorcer, vous savez mon opinion là-dessus, mais dans son cas à elle, elle n'a pas hésité en fait. Oui, elle a élevé ses enfants, elle a consacré sa vie à ses enfants, à sa vie de famille, ce qui ne l'a pas empêché de vivre sa propre vie par la suite, et surtout d'afficher et d'être fière de ses valeurs. Ça, c'est vraiment, vraiment ce que je vous encourage. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.